Vas-y, j'ai du doigt. 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 Ouais, ouais. Jean de la rencontre. Des vérités et des vérités. Jean de la maison. Des jeunes qui savent pourquoi. Dans moi, qui sait pourquoi, moi, qui sait pourquoi, moi, qui sait pourquoi. Le sens est donné à l'enfant. L'enfant veut savoir pourquoi. C'est une résurrection. Elle veut savoir pourquoi c'est une résurrection. C'est un homme qui est rendu à Alain. Il est rendu à Alain. Il est juste la personne rendue à Alain. Il est une vérité pour tous les jeunes. Pour tous les jeunes. La mission est de retourner à Alain et d'être le messager avec les braves, avec les sages conseils de là-haut où règne le paisible roi Allah. Le jeune est tenté par la faim pour savoir qu'est-ce qu'il y a à la fin. C'est le monde qu'il y a à la fin, le monde. C'est pour avoir l'imam. C'est pour avoir l'imam, c'est un jeune. Un jeune, c'est connu. C'est pour avoir l'histoire. C'est un homme. Une victoire en direction. C'est la vérité en direction. C'est le chef, la solution. Prenez sur vous de la solution pour la résurrection. Prenez sur vous du parti. Envoyez la venue. Allah. Et la venue est envoyée dans le sens des prophètes. C'est un jeune qui a la raison. Une vérité. Aujourd'hui mon père était présent, et là la vérité c'est lui-même qui est la vérité. Aujourd'hui je fais la religion connue. Je fais le seul Dieu, Allah, le retour vers la gloire, l'envoyé et vérité. Dans ma paix, je donne l'histoire des victorieux. Je suis la science, je suis le mouvement. Je donne l'histoire comme l'état de la dernière connaissance du prophète. Le sens est donné à votre rapport avec les sages. Le temps est la question du royaume, aussi l'histoire de la dernière loi, la loi scientifique du messager. Le temps est venu pour la dernière communauté, le retour vers la science et l'action de la dernière alliance pour la royauté, le jour des anciens. Je suis élevé, je tends la main, je tends la religion comme étant la faveur de tous les hommes qui veulent récompenser. Le temps venu, la promesse, le sage, le compagnon et les adorateurs du peuple, le conscient et victorieux de tout, victorieux de la promesse, victorieux de la loi, victorieux des envies de la Mecque. La Mecque est justice, elle est aussi raison, elle est la force, l'ancien, la promesse du prophète. Elle retournera par la bonne
idée au retour de notre histoire vers la plus grande maison qui me rappelle la vie, qui me rappelle les anciens, qui me rappelle les maisons de la communauté. Je donne la vérité, c'est une science, le retour, même la connaissance du temps, la connaissance du parti, le parti fondé sur la religion, fondant la maison, fondant la victoire pour l'envoyé d'Allah. La publication, c'est le Messie, c'est pour avoir votre attention aujourd'hui, c'est l'histoire en fait qui raconte le nom des héros, c'est d'anciens, cette promesse qu'on a faite, c'est d'en faire aussi si vous n'avez pas la solution concernant l'esprit maintenant, et en fait c'est juste la solution, c'est une vérité dans le monde, c'est une vérité dans le temps, c'est vous verrez une action de la plupart des musulmans du monde, c'est sur le choix de cette nouvelle victoire, c'est dans le temps notre raison de connaître, c'est pour vous la dernière humanité, c'est dans le sens du sentiment, le retour de l'alliance, c'est dans le sens de Dieu donc, les vérités sur la pensée du quartier, le quartier de la souveraine allégeance à la dernière honnête communauté du monde, c'est le retour vers l'envoyé, l'envoyé du parti, le parti est le sens de la raison, il est aussi la fondation du protecteur de l'homme, l'homme qui sait se raisonner sur la dernière humanité du parti, à vouloir le choix du commandement, le commandant des prophètes, c'est le Messie, c'est sur cette union qu'on fait la royauté, c'est dans l'idée qu'il n'y a pas trop de choix à la fin des jours concernant le bien guidé, c'est tout le choix actuel, c'est la bonne nouvelle, ce n'est pas juste cette unité que vous représentez, c'est dans le temps les rasouls qui donnent l'unique comme vérité au roi du monde, c'est une jeunesse, c'est aussi la victoire d'un père, un père sur la connaissance de Rahman Rahim Abdullah, c'est une vérité dans le choix d'élire la communauté, d'élire le parti et de fonder notre maison dans la justice. Vers la terre sainte, c'est le peuple qui répond aux anges, c'est le serviteur, les scribes notent des paroles, les jeunes enseignent les histoires, les victorieux sont le sens de l'habitation du monde, le jeûne est le retour vers la succession, le corps est l'histoire de la terre, le penseur est le Messie dans la royauté du Seigneur de l'univers, le jeûne est la connaissance, même son petit parti est le messager, dans le retour c'est le sens donné à la victoire, vous n'avez pas entendu encore pourquoi le Messie revient, c'est une partie du temps promis, le justicier, où il fait les capacités du messager. Non, tu n'as pas vu des merdiers. De merdiers, tu n'as pas vu de merdiers. C'est une vieille merde. C'est une vieille merde, j'arrive même pas à la reproduire. C'est l'enfer, tu vois, c'est l'enfer. Hein? Tu le rappelles. Le rappel de tous, là. C'est enfermé. On dirait que c'est enfermé. Hein? C'est juste la personne qui est enfermée, tu comprends? C'est l'arrêt. L'arrêt, tu vois, l'arrêt. C'est le chauffeur. Le chauffeur, tu vois, le chauffeur, oui, le chauffeur. C'est pour avoir les cartes. Les cartes, oui, les cartes, c'est pour aider. Pour aider, d'accord?
c'est enfermer tout le monde. Enfermer tout le monde si je n'ai pas l'imam. C'est enfermer toutes les... Bon, j'ai compris. J'ai compris, le chauffeur, j'ai compris. Là, peuplé c'était, en fait, c'est juste un aperçu, hein. C'est juste un aperçu, c'est pas vraiment ce qui se passe, hein. C'est juste un aperçu. Bien entendu qu'on n'a pas tout dit, bien entendu que c'est pas tout ce qui se passe. Merci de comprendre que c'est juste une pub, juste une pub. Vous êtes en fait sans sas, peut-être vous êtes sans sas. Dans le milieu, vous êtes sans sas. Dans le chemin, vous reconnaîtrez les vérités partout, vous reconnaîtrez la vérité. Sans sas, c'est sans sas. Je t'aurais ton erreur, peut-être pas vouloir les mâmes. Ton erreur, ouais, c'est peut-être mon erreur. Ouais. C'est enfermé, tu vois, enfermé, ouais. C'est pas juste, hein, c'est pas juste. C'est une vérité. Et quelle vérité? C'est un état. Un état, tu vois, qui enferme l'autre. Un état qui enferme l'autre, oui. C'est pas vrai, tu vois, c'est pas vrai. C'est une formation, normalement, que tu as reçue. Et quelle est cette formation? C'est le Messie. Le Messie, oui, c'est le Messie. C'est enterrer tout le monde, enterrer tout le monde. C'est fait pour ne pas le dire. C'est tenter, tenter de tout pour le tout. Allez, regarde. Annie, voilà, Annie. Annie a dévoilé, et pourquoi? Il a dévoilé pourquoi? C'est une maison en fait, du cœur. Une maison du cœur. C'est le cœur ou le cœur? Le cœur. Le cœur, oui, le cœur. C'est une maison du cœur. C'est former tout le monde sur la maison. C'est former l'envie, tu vois, de le faire. C'est même une responsabilité. C'est le père, on dirait le père. Le père des enfants, des envoyés, on dirait le père des envoyés. C'est, ça me laisse penser que ce n'est pas juste. Ça me laisse penser qu'on ne peut pas le dire. Et qu'est-ce qu'on ne peut pas dire, tu penses? Les cartes, on ne peut pas dire les cartes. Une vieillerie, tu vois, une vieillerie. On ne peut pas dire pourquoi c'est un imam, tout ça. On ne peut pas le dire. C'est horrible. C'est horrible, tu vois. Tu ris parce que c'est un imam, en fait. Tu ris parce que c'est un imam. Normalement, tu n'as jamais vu ça de ta vie. C'est une personne, en fait, que tu n'as jamais vu de ta vie. Sur la période, en fait, qu'on passe, c'est une force. Normalement, c'est une force. C'est une force, tu vois, une force du père. Une force du père. C'est envoyer tout le monde par le choix. L'envoyer tout le monde sur l'imam. Envoyer tout le monde sur l'imam. C'est la grande direction, actuellement. C'est la grande direction. C'est une vérité, on pense que c'est une vérité. On pense que c'est l'alliance même, on pense que c'est tout ça. Mais on ne le dit pas, on ne le dit pas. On perd pas le chemin parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai si on n'a pas les capacités. C'est pas vrai, c'est ce que vous faites en fait. Vouloir avoir les capacités, si c'est ce que nous faisons. Nous en fait, on répond que c'est pas juste. L'imam, que c'est pas juste. Sans fils. Un fils, on dirait un fils, tu vois. On pense que c'est pas l'imam. On pense que c'est pas l'imam, tu vois. On pense qu'il y a un homme, en fait, qui est l'imam. Qui est l'imam, voilà. Et on est rincé un petit peu, on est rincé. Si on n'a pas le personnage, on est rincé. On est enfermé actuellement. Et où êtes-vous enfermé? On est dans le corps. Dans le corps de quoi? Dans le corps d'un porc. D'un porc. Ah, vous êtes dans le corps d'un porc, oui. C'est une foutaise, alors, ce porc. C'est quoi cette histoire de porc? C'est de faire rien. C'est faire rien. Comment ça je fais rien? C'est pas une nouvelle ça. C'est pas une nouvelle d'avoir encore un porc. Il est où le porc? Il est enfermé, monsieur. Le porc est enfermé, oui, il est enfermé. Ah, c'est une bonne nouvelle. Si le porc est enfermé, c'est une bonne nouvelle. Ce n'est pas inférieur pour tout le temps vouloir les mêmes choses. Et te dire que c'est tout le temps les mêmes choses. Tu veux changer un petit peu. Tu veux voir plus que ton nom. C'est tout le temps le nom, tu penses, qu'on porte, qui est l'islam. C'est pas juste que l'islam soit juste un nom. Ce n'est pas juste du tout. Ça n'a rien de vrai, tu vois, ça n'a rien de vrai dans les hommes.
qui vivent leur réalité. C'est le choix de donner plus d'attention à la vérité, même si ça coûte un petit peu, tu vois, ça coûte un petit peu dans ta démarche, ça te coûte un petit peu, ça te coûte des efforts pour donner plus que ce que tu n'es, finalement, en direction. Et c'est quoi, tu vois, c'est plus? Ce plus, en fait, c'est l'histoire, c'est la vraie histoire. Et finalement, tu vois cette histoire, à la fin, tu commences à comprendre qu'on n'avait pas exactement les cartes comme ils les appelaient. Ça, c'était des cartes qui étaient faites, toutes faites, tu vois. Et on n'en dit pas trop sur les cartes, c'est, on en dit plus sur la vérité, c'est tout. La vérité, en fait, est une maison qui existe même dans l'homme qui vit les airs, qui vit les airs du messager, qui vit les airs du messager. C'est enfermé, tu vois, enfermé, c'est tout le temps ne pas pouvoir créer sa chance. Et en fait, ça, je retransmets en fait des paroles de quelqu'un. Je ne sais même pas qui c'est, tu vois, je ne sais pas qui c'est. Je transmets juste la parole. Je mène à la fin à savoir pourquoi. On est en fait l'histoire qui est racontée ici. On pense qu'il y a une histoire, on pense que c'est doué. C'est doué, ça veut dire, c'est le don qui signe toute cette vérité. C'est le don qui le signe. Et Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est Allah, tu sais, le plus doué, qui n'est pas vraiment une créature. Ça veut dire, c'est un créateur qui n'est pas une créature. Et en fait, la créature, on a l'habitude de la rencontrer. Le créateur, par contre, on a moins l'habitude de le rencontrer. C'est 2 ans, en fait, qu'ils étaient au départ prévus. 2 ans pour faire, en fait, une lignée. Mais tu te rends compte comment c'est long, 2 ans, pour juste faire une lignée. Est-ce que tu penses qu'on a la vérité sur le passé? Le passé dans la religion est le Mahdi, vous savez. Ça veut dire, dans la traduction, ça veut dire, en fait, le passé bien guidé. C'est en fait quand vous retrouvez le chemin du récit que vous vous souvenez pourquoi. Pourquoi c'est l'islam? Vous vous souvenez que c'est une religion qui a donné quelque chose. Elle a donné quelque chose pour que vous ayez la plus grande distinction dans l'époque sur les rois, sur les partis, sur les personnes du messager. Ce sont des signes de la Kaaba même. Ce sont des rangs de musulmans qui sont positionnés. Ils sont positionnés de l'autre côté. Ils sont enseignés. Ces musulmans, ils sont enseignés. Ils sont restaurés aussi. Ils sont restaurés jusqu'à temps qu'il y ait la fin de leur épreuve. C'est le musulman qui veut la fin de l'épreuve, qui veut même la fin des temps, pour arriver à Allah, rincé de tout ce qu'il a vécu, jusqu'à temps qu'il n'ait plus rien à vouloir, en dehors d'avoir la bonne situation, la bonne condition. Le changement de condition, c'est un signe de l'islam, et le changement de la Mecque, c'est le changement de l'allégeance. Le changement de l'allégeance aujourd'hui des musulmans. Les musulmans veulent changer d'allégeance, ils veulent changer même leur situation, leurs conditions.